Bonsoir les amis. Avez-vous vu dehors la belle nuit étoilée? De sa fenêtre, le Père Noël regarde. Quand soudain, il entend un petit bruit. Il tend l'oreille, le petit bruit recommence. Mais le bruit vient de mon estomac. Mère Noël, le souper est-il prêt? Je crois que j'ai une grosse faim. Oh, mon pauvre mari, je n'ai pas une minute à te consacrer. J'ai tellement de travail avant que tu partes distribuer tous les cadeaux. Mais les lutins t'aident? Bien sûr qu'ils m'aident. Il y a tellement d'enfants sages cette année. Je n'ai pas le temps de te préparer à manger. Me laisseras-tu distribuer les cadeaux le ventre vide? Ton ventre est bien assez gros comme ça. Il attendra demain matin. D'ailleurs, voici les lutins qui reviennent. En entrant dans le chalet, le chef des lutins se dirige vers le Père Noël. Tout est prêt, Père Noël. Les rennes sont attelées. Ils sont bien mangés. Tous les cadeaux des enfants sont dans le traîneau. Ils ont mangé, eux au moins. Mais moi, j'ai toujours faim. Le Père Noël enfile ses bottes, son grand manteau rouge et son bonnet bien chaud. Puis, il sort pour s'installer sur son traîneau en ronchonnant un peu. Dès qu'il distribue le premier cadeau, sa bonne humeur revient. Au pied du sapin, où il a déposé une jolie poupée, il trouve un tout petit tabouret, où quelqu'un a posé un verre de lait, un biscuit et un petit mot. Ce verre de lait et ce petit biscuit sont pour toi, Père Noël. Je t'embrasse très fort, Odile. Et c'est ainsi dans chaque maison où les enfants ont installé leurs petits souliers. Au 10e cadeau distribué, le Père Noël n'a plus du tout faim. À la fin de la nuit, quand le Père Noël rentre dans sa maison au pôle Nord, il porte une grosse boîte dans la main et un gros sac sur l'épaule. La Mère Noël, tout étonnée et un peu paniquée, lui demande « Mais que s'est-il passé? Tu n'as pas donné tous les cadeaux aux enfants ?»« J'ai tout donné. C'est juste que les enfants ont été très généreux cette année. Oh, 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 oh. Regarde ce que je te rapporte. » Il ouvre la boîte et la Mère Noël ouvre de grands yeux. La boîte est remplie de petits gâteaux de toutes les formes. Oh là là, il faudra les partager avec les lutins qui nous ont si bien aidés. Mais que contient ton sac? Il est rempli de carottes pour les rennes. Le lendemain, après avoir bien dormi, tous les habitants du village du Père Noël firent un grand festin. Et on n'oubliera pas d'inviter les rennes. Bonsoir les enfants, bonsoir les parents. Ce soir au programme des histoires de Noël avant d'aller se coucher. Je vais vous raconter ce soir l'histoire de Père Noël, es-tu là? Père Noël, es-tu là? Chut, je dors. Père Noël, es-tu là? Chut, je me réveille doucement. Père Noël, es-tu là? Chut, je mets ma belle veste. Père Noël, es-tu là? Chut,
je mets mon bonnet bien chaud. Père Noël, Père Noël, es-tu là? Chut. Je sors mon grand traîneau. Père Noël, es-tu là? Chut. Je mets ma lourde hotte sur mon dos. Père Noël, Père Noël, es-tu là? Je réveille mes reines. Père Noël, Père Noël, es-tu là? Chut! Dormez, dormez, petits enfants. Me voici dans le ciel pour vous distribuer des cadeaux par milliers. Bonne nuit, les enfants. Tchoupi fête Noël. Tchoupi, tu devrais rentrer, il fait froid. D'accord, mais papa, le Père Noël, lui, il n'aura pas froid ce soir. Oh non, le Père Noël porte un grand manteau rouge et blanc, très chaud. Ah, te voilà Tchoupi, tu t'es bien amusé? Oui, oui, dit maman, il va venir comment le Père Noël? Il va arriver sur un grand traîneau. Tiré par des rennes. Mais comment il fait pour tout transporter? Il a une grande hotte sur le dos. Il est beau, notre sapin, dit Tchoupi. Mais il faut mettre des petites lumières pour que le Père Noël le voie de loin. Tu as raison, dit papa. Je vais mettre la guirlande qui clignote. Allez, Tchoupi, maintenant tu vas au lit. Ah non! Je ne veux pas dormir tout de suite. Je veux voir le Père Noël. Ce n'est pas possible, Tchoupi. Avant de passer, le Père Noël attend toujours que les enfants soient bien endormis. On le voit jamais alors, soupire Tchoupi. Oh là là, dit Tchoupi. J'allais oublier de laisser mes chaussons au pied du sapin. Voilà, tout est prêt. Maman, tu crois que le Père Noël se rappelle de ce que j'ai commandé? Mais oui, mon Tchoupi, on lui a écrit une lettre. Il n'oublie jamais le Père Noël. Dors bien. Le jour s'est levé. Tchoupi court vite vers le salon. Chouette, j'ai des cadeaux! Papa, maman, regardez, j'ai eu ma fusée. Et aussi de la pâte à modeler. Il a fait doucement, le Père Noël. On ne l'a même pas entendu. Coucou, Père Noël. Chut. C'est la nuit de Noël. Dans sa maison, l'enfant dort paisiblement. L'oiseau, le chat et le chien attendent le Père Noël. Mais le Père Noël ne vient pas. Il faut l'appeler, propose l'oiseau. Alors l'oiseau piaille de toutes ses forces dans la cheminée. Cui, 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 cui. Mais le Père Noël ne répond pas. Je vais l'appeler, dit le chat. Alors le chat miaule aussi fort qu'il peut dans la cheminée. Miaou! 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 Mais le Père Noël n'arrive pas. Laissez-moi faire, dit le chien. De sa grosse voix, le chien aboie dans la cheminée. Mais le Père Noël n'entend pas. À nous trois, ça devrait marcher, disent-ils ensemble. Miaou! Cui, 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 cui! Alors l'oiseau piaille, le chat miaule
et le chien aboie dans la cheminée. Et là, l'enfant se réveille. Oh, qui a réveillé le petit ange ? Dit le Père Noël à l'autre bout de la cheminée. C'est pas moi ! Moi non plus ! C'est pas moi ! Chut ! Dit le Père Noël. Laisse-le se rendormir. La nuit est finie. Doucement, le Père Noël est reparti, laissant à chacun un cadeau. Oh ! Wouhou ! Alors, quand l'enfant se réveille, qui piaille, miaule, aboie et crie de joie, les quatre amis.